Eh bien, salut les vilains! Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de Atlas P sur le Super Mario Maker. Eh bien, cette fois-ci, vous ne m'avez pas envoyé de stage. Et ça tombe bien, puisque je comptais seulement faire les stages les plus populaires du monde, hein, comme j'avais dit dans l'épisode précédent, donc je pense qu'on m'avait compris. Et ça fait bien, ça c'est bien de se faire entendre, tout simplement. Voilà, par contre, à partir de la prochaine vidéo, si vous voulez, vous pouvez renvoyer vos niveaux, ce qui vous redonnera une petite visibilité sur la chaîne. Donc, on va partir sur liste des stages, c'est ça, ou liste des créateurs, je ne sais même plus. Ça doit être liste des créateurs, non. Non, c'est liste des stages. Les stages les plus populaires. Alors j'espère que cette fois-ci, on va tomber sur les stages auxquels on peut jouer, tout simplement. Normalement, oui, on a dû faire tous les stages où il suffit de lâcher la manette ou seulement de courir. Donc ça devrait le faire. Le premier, c'est Pokémon, évidemment. Pokémon Center Theme, la base. Le mec, il peut même plus avoir de comptabilisation d'étoiles ou je ne sais pas quoi. Par contre, j'ai fait des niveaux tellement moisis qu'ils les ont retirés du multi. Enfin, il y en a un qu'ils ont retiré alors que c'était mon niveau préféré en plus. C'était une sorte de niveau Flappy Bird, mais dans l'eau. Et ils me l'ont retiré, ces salauds. Je vais le remettre parce que pour moi, c'était mon meilleur niveau. Je sais pas pourquoi ils m'ont fait ça. Block Spoilation. Il est nouveau celui-là. Hein. C'est le nouveau quatrième, on l'avait jamais fait. Et bien, c'est parti. Here we go, Sparky. On va voir si ton niveau vaut la peine d'être vécu. J'espère que oui. Ils aiment bien les trucs au school. Hein. Alors, hop. Déjà, on joue. C'est un bon début. Donc, il y a une musique qui se joue. Ah, ça se transforme en pièce, mais on voit pas. C'est bizarre. Ensuite, je rappuie, là, du coup. Non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous comprenez-vous? Il faut peut-être attendre que la musique se termine, je pense. Alors ça. Mais du coup, il faut que j'embarque ça avec moi, attends. Ça va être compliqué, non? Attends. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok, là, du coup... Bah non. Ok. Là, il y a une plateforme invisible. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dis, je prends ça. Puis ça. Pas du tout. Il y a une zone cachée où c'est une pièce, non? Non, même pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous comprenez-vous? Attends. Toi, tu dégages. Est-ce que je peux passer maintenant, s'il vous plaît? Non. Le tuyau est inempruntable. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Si je retourne là, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? On peut lire les messages? How? Cool, salut YouTube. D'accord, il y a un mec ici qui passe sur YouTube, très bien. Ouais. Je comprends pas trop, hein. Je ne comprends pas trop entre nous. Toi, tu dégages, s'il te plaît. Je veux... Oh là là. Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a des plateformes... Où on passe à travers des fois ou non, je comprends pas. Quelle est la solution? Pourquoi son niveau qui pue la merde là? Il a eu autant d'étoiles. Je comprends rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je comprends pas du tout là. Et pourquoi je peux la toucher dans un sens et pas dans l'autre? Attends, c'est quoi les messages là? Ok. Ah bah voilà, il y a un mec qui a dit level de merde. Pourquoi on peut pas voir les messages s'afficher en haut là? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Hein? It's not hack, it's an item you get later. Je ne peux pas le finir. Voilà. Bah ouais. Bah ouais, faut pas le faire. Y en a plein qui sont dans ma situation. Bah ton niveau il pue la merde, je sais pas. Je sais pas pourquoi t'as eu tant d'étoiles. Si quelqu'un a compris qu'il a déjà essayé, bah il faut m'expliquer. Wait, what? Moi j'ai attendu assez, c'est bon mon gars, faut pas déconner avec moi non plus.
Oh, must help Mewtwo? Bah, let's go. Bon, ça a l'air d'être un... Voilà, il faut pas bouger. Mais si ça nous permet de gagner un costume Mewtwo, moi, je suis partant. Alors, là, au moment où je commence la vidéo, il y a le soleil qui m'aille dans la gueule. C'est génial. Franchement, c'est génial. Parce que il y a jamais le soleil. Sauf quand je commence ma vidéo. C'est incroyable. En plus, j'avais un bon petit éclairage bien professionnel aujourd'hui. Mais bon, non. On veut pas. Mewtwo? Non, c'est Dracaufeu, là. Bon, tant que c'est Pokémon, moi, j'aime. Mais s'ils ont des capacités spéciales, genre est-ce que je peux cracher des boules de feu avec Dracaufeu, c'est ça que je me demande. Des éclairs avec Pikachu, ça serait trop fort. Et là c'est Mewtwo? Non là c'est Amphinobi. Je sais même pas s'il y a Mewtwo d'ailleurs. Je sais pas pourquoi mais je sens la super gaze là. Ouais, en fait les trucs de brume là ça peut tuer les ennemis. D'accord. Là on a Lucario. Je crois qu'on l'avait jamais eu Lucario avant. Et là... Mewtwo! C'est possible, on peut avoir Mewtwo. Putain, en fait, il y a les 150 Pokémon dans le jeu. Et là, on tue Bowser. Oh là là, et c'est vraiment stylé. En fait, les niveaux où tu joues pas, ils ont vraiment de la gueule, quoi. Dès que je fais un niveau où on joue, bah on fail ou alors c'est n'importe quoi. Là, c'était n'importe quoi. Le précédent, j'ai rien compris. Bon, bah là, d'accord, merci. Franchement, je te mets une étoile. GG. Voilà, étoile donnée. Normal, c'est normal. Donc ensuite, et nouveau niveau, mon petit drapeau, mon petit flag pour montrer que j'ai réussi. Very simple. C'est une blague. Vas-y, on va le faire. J'ai envie de comprendre pourquoi c'est le 7ème au monde celui-là. Putain, il a vraiment un ami avec une gueule bien rigolote. Donc là, cours, hein. Ouais, mais c'est fini. Il y a des messages. Ah, il y a un truc caché. Ah d'accord, on peut même pas aller en haut quoi. D'accord. Super. Mais encore. D'accord, donc le mec il a fait un niveau de case invisible comme ça là. Ah! Oh putain, attends. D'accord, c'est pas si simple que ça en fait. Je me disais aussi, c'est pas possible. Il y a une couille là. D'accord. Ah, oh, attends. Ah, le salaud. Ah, bah voilà. Bah non. Ah, bah oui. Ah, mais du coup, là, je vais tomber. Ah, ouais, en fait, c'est pas simple du tout, quoi. Ça va prendre une heure. Waouh. C'est-à-dire, il faut se débloquer les cases, là. Et au moment où il y a Bowser qui passe, c'est tu cours comme un gros dératé. Ah ouais, ça va être super compliqué en fait. Vas-y, on va le réussir. Maintenant qu'on sait comment faire. Tac 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 tac. Voilà. Hop hop. Voilà, on débloque toutes les cases. Et après, ben du coup, on va gagner quoi. C'est malin, franchement c'est malin. Là je m'attendais vraiment à un niveau tout pourri, me dire mais pourquoi quoi? C'est juste un effet communautaire et tu passes 7ème? Et en fait non. Il y avait de l'idée. Bon c'est un peu long quand même hein. C'est un peu long. Voilà, donc là il y a Mini Bowser. Faut courir. Je sais même pas s'il a enclenché sa course, je crois pas. Hein. Donc ça tombe bien pour nous ça. Hop 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 hop. On va en profiter du coup pour réactiver cela là-bas. J'en avais pas activé beaucoup. Genre là. Hop. Voilà, pour faciliter le truc. Allez hop. Tac, tac. Et là c'est dans la poche quoi. Ah bah voilà, il a fait sa course. Allez, ciao mon con. Voilà. Bah au final on aura réussi. Par contre, non. Voilà, je me suis dit, est-ce qu'il y a une double couche? Non, il a pas été aussi fourbe. Donc tout va bien. Et là. Eh bien c'est gagné. Parfait. Ben voilà. On lui met une étoile. Allez, on lui met une étoile. On va être sympa. On va suivre le mouvement. Parce que c'est vrai que son niveau... On s'attendait tous à de la grosse merde. Je suis sûr qu'on s'attendait tous vraiment à de la putain de merde. Mais il y avait quand même cette petite surprise. Et j'ai carrément réussi à perdre une fois, quoi. Donc rien que pour ça, bravo. Voilà, le petit flag, évidemment. Ensuite. Waouh. Putain. Il a l'air de déchirer ce niveau là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une sorte de méga pixel art. Je savais même pas qu'il y avait la place sur la map. Alors, let's go, voilà, donc ça c'est mes graphismes préférés.
C'est vrai que tu vois, quand il y a beaucoup de personnes qui ont joué, c'est choquant, quoi. Tu ne mourras pas, frère marteau. Ah si, bah tu m'as eu, en fait. Putain, mais le frère marteau à cet endroit-là, c'est le plus chiant que j'ai jamais vu, quoi. Il est quasi sûr de te toucher. Voilà, il fallait aller super vite. Hop. Et pas lui laisser le temps de réagir. Ah, c'est bon, ça peut pas nous toucher, ça, apparemment. Le chien, on le saute. Là. Ah, j'aime pas du tout ça, par contre. Ça, c'est pas très joli. Hop, on réesquive. Alors, est-ce qu'on écoute ces indications? On va le faire. Ça nous mène où, ça? Oula, ça pue la merde. Ça pue la caca! Putain, je glisse, quoi. Je glisse sur de la pierre. Casse les couilles. Ah oui, il glisse, Mario. Oh, putain. Ah, ce frère marteau démoniaque, quoi. La pire invention du diable. Hop, allez, tu dégages. Hop. Cette fois-ci, on va pas l'écouter. J'ai pas très envie de l'écouter, je sais pas pourquoi. On va pas descendre dans ce tuyau de merde. Tintintin. Tintintin. Ok, 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 ok. Hop, pareil, esquive, putain. Ce skill. Donc si je vais par là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Une vie. Et ça, un champignon, d'accord. Et eh ben j'ai bien fait de continuer. Maintenant on a une chance supplémentaire. Hop, toi tu dégages. Oula, pourquoi il y a eu des pop là? C'est quoi ce bordel? Comment je vais faire là? Et ici, hop, tu dégages. Et on descend. Donc là je sens que je vais pas y arriver. Ouh, si. Si, 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 pourquoi se sous-estimer? Ok. Et là voilà, bon, on est bon pour attendre. Bien, attendons. Ensuite, ça continue par là. Hop. Voilà. Et là, je pense que... Voilà, je peux me la faire comme ça. Du coup, j'ai gâché mon champi. Oh non, c'est sérieux? Oh, la blague! Non, là franchement, c'est de l'arnaque, quoi. C'est une putain d'arnaque. Vas-y, on y retourne. Hop, 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 hop. Comment il se déplace comme un ninja dans ce Super Mario Bros 3, c'est vraiment stylé. Hop. Oh non! Mais arrête de glisser, Mario! Putain, le mec, il glisse, c'est incroyable. C'est pas de la glace, là. Encore, c'est de la glace, je comprendrais, on est averti. Mais là, c'est de la pierre, quand même. Il glisse vers les ennemis, le mec. T'abuses, franchement, t'abuses. Hop là, raté mon con. Vas-y, du coup, ils me font peur, ces salauds, maintenant. Voilà. Voilà, et ciao. Je vais récupérer le champi rapidement. On s'en fout de la life, hein. Puisqu'il n'y en a pas, c'est même pas comptabilisé, ça sert à rien. À part si tu veux compter du scoring. Et moi je m'en fous complètement. Déjà si je peux terminer le niveau, ce serait pas mal. Comment ils ont fait pour remonter là? Ça c'est la question. La vraie question, quoi. Mais meurs! Pourquoi il crève pas ce con là? C'est pas grave. Je te laisse tranquille. Les Koopas dans Super Mario Bros 3 ne peuvent pas mourir. Faut pas les Koopas, les... Eh merde. Les quoi déjà? Mais putain, mais remonte! Il se fout de ma gueule, Mario, bordel! Il se fout complètement de ma gueule. Vas-y, on fait un dernier essai. Je suis vraiment... Bon, ce dernier essai ne comptait pas. Je suis vraiment une putain de merde à Mario, c'est incroyable. Mais en même temps, j'ai une manette qui est vraiment pas... Mais c'est pas possible! Le gamepad est vraiment pas pratique, j'ai jamais vu une idée de merde pareille. Faut vraiment que je m'achète le contrôleur pro. Et en même temps, j'ai pas envie de me l'acheter. Parce que je me dis qu'ils vont bientôt sortir la Nintendo NX et que c'est peut-être pas une bonne idée d'investir dans la Wii U, quoi. Donc je sais pas. Mais vu à quel point je galère, la manette elle est super lourde. Putain, elle te glisse des mains, c'est vraiment une horreur. Mario, non, en tout cas. Nintendo, on les connaissait pas pour des idées de merde, mais là pour le coup, putain. Ces dernières années avec la Wii U et tout leur mauvais choix market, je sais pas ce qui leur est arrivé. Hein. Ils commencent à fatiguer, les bons vieux, là. Hop, oh, joli ça. Joli, joli. Allez, on y retourne, on se concentre. Cette fois-ci, je veux réussir, monsieur. Hein. Je veux poser mon flag sur ce niveau. Non, là, c'est une blague. C'est bon. On va attendre. Oh là là, mais non, mais arrête de glisser! C'est un putain d'enculé, quoi. Il glisse. Vas-y, dernière des dernières.
Hop là, j'esquive frère marteau. Mario, je t'en supplie, arrête de glisser. Vraiment. Arrête de glisser. C'est putain de relou, quoi. Tu me fais penser à Gérald dans The Witcher. Arrête. Bon, j'abandonne. J'abandonne le niveau, les amis, je peux pas faire autrement. Voilà, je galère. Quitter le stage. Du coup, je lui mets même pas d'étoiles. Je suis un gros salaud. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah, on l'a fait déjà. Star Wars? Oh putain, en plus je suis en train de faire ma phase Star Wars en ce moment là, avec le Battlefront et le set qui va sortir. C'est la folie dans ma tête. The evil never die. It just changes. Non, evolves. Putain, ça c'est la nouvelle affiche de Star Wars 7, c'est magnifique. Putain, ce film, je vais me régaler. Donc là, on vient de se transformer en Star Fox. J'ai à peine de remarquer. C'est dément, toutes ces transos là. C'est vraiment dément, mais moi je les ai pas dans mon outil de création, c'est chiant ça. Je crois qu'en transformation j'ai que Luigi pour l'instant. S'ils ont vraiment fait un mauvais choix dans leur jeu, je trouve, et c'est ce qui m'a fait un petit peu arrêter Super Mario Maker, c'est qu'on n'a pas tous les objets de. On peut pas débloquer tous les objets de création tout de suite en fait. Samus, tous les trucs de l'espace quoi. C'est qui ça? Ah, c'est Rob. Et. Je rappelle plus comment il s'appelle lui. C'est celui qui est dans le jeu Pikmin. Je rappelle plus comment il s'appelle. Peut-être qu'il s'appelle Pikmin. Non, Pikmin c'est les petites bestioles, je crois. C'était quoi? C'était les trois dernières notes du thème de Star Wars. D'accord. Bon bah j'aurais pas trop entendu, je sais pas vous, mais j'ai pas vraiment remarqué une quelconque musique de Star Wars. C'était trop bas. Enfin bref. Comme je vous disais, ce qui m'a fait arrêter Super Mario Maker, c'est que j'avais pas tous les outils de création. Vas-y, on lui met une étoile quand même. De base en fait. Ça c'est super chiant. C'est à dire par exemple moi j'aurais pris une journée, vas-y, où je joue 3 heures pour débloquer tous les outils de création du jeu. Mais là t'es obligé de créer pendant 3 minutes un jour, puis attendre 24 heures pour rejouer 3 minutes et redébloquer quelques éléments. Super chiant, toi t'as envie de tout créer d'un coup. Du coup forcément les premiers niveaux que tu crées, parce qu'il faut quand même créer pour débloquer de nouveaux éléments, les premiers niveaux que tu crées sont moisis en fait. T'es obligé de créer des niveaux de merde. Et je trouve ça super con. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est écrit en jap. Ça a l'air d'être un sérieux bordel. Est-ce qu'il faut toucher la manette? On va voir ça. Si notre personnage part tout seul, c'est qu'il faut pas toucher. Est-ce qu'il part tout seul? Il part tout seul, c'est parti, c'est un niveau où il ne faut pas jouer. Donc, il y a une musique qui se joue, c'est ça? C'est du Hatsune Miku ça, non? Je vais penser à du Hatsune Miku. Enfin, du Hatsune Miku sans la voix dégueulasse derrière. Sans Hatsune Miku, en fait. Oui, j'aime pas Hatsune Miku. Ça me viole mes oreilles, vraiment. La voix aiguë comme ça, c'est. J'ai toujours dit, pour moi, il y a un mec, il absorbe un ballon d'hélium, il fait sa voix de canard, c'est pour te faire rire. C'est pas pour chanter. Moi, ça me fait mal aux oreilles, c'est tout. Après, il y a des gens qui aiment, mais j'arrive même pas à comprendre. Encore, il y a des trucs vraiment fous, comme par exemple, je sais pas, même le métal, où les mecs, ils te. Gueule dans l'oreille. Je sais pas, j'ai peut-être une once de compréhension. Et encore, parce que j'arrive même pas à comparer une musique de métal, enfin une vraie, un gros truc bien hard, avec un autre truc bien hard, parce que j'entends même pas la mélodie en fait. J'entends pas l'instru, j'entends aucun mec qui gueule. Voilà, c'est. Après, les goûts et les couleurs, apparemment ça se discute pas. Je pense qu'on a pas les mêmes oreilles, les amis. Alors, Ocarina of Time. Je connais pas la musique d'Ocarina of Time, mais vas-y, moi je fais tant que ça me donne des flags. Moi j'avais dit, de toute façon, dès que j'avais commencé Super Mario Maker et que j'ai vu qu'il y avait un petit flag qui s'apposait sur chaque niveau des créations, je me suis dit, on va mettre notre flag partout. Ah bah voilà, vous avez vu, cette fois-ci on était parti comparé au Mario Maker, non. À l'épisode précédent on avait fait un truc, ça doit être le thème de Mario 64. Et c'était carrément le même départ, mais sauf que le nôtre il avait fail en fait. Bizarre. C'est bizarre, mais là ça marche. Alors voilà, est-ce qu'on peut taper avec... Ah non, on est transformé en Link, mais ça sert à rien. On peut pas envoyer de coups d'épée. C'est trop con, franchement. Juste, ça leur aurait rien coûté. Ça aurait ramené plein d'éléments de gameplay. Tu vois, Link qui peut envoyer son petit coup d'épée et se protéger. Tu mets Star Fox qui tire ses lasers. Tu mets Samus qui tire ses lasers aussi. Enfin,
Et Pikmin qui se bat avec ses Pikmin qui peut lancer. Ça aurait été génial, quoi. Ça aurait fait un gameplay, ça aurait fait un Super Mario Maker super complet avec plein de héros différents. Mais non. Ils ont mis les héros, mais ils leur ont donné aucune compétence. Ce qui est vraiment bête. Du coup, je te mets une étoile, hein. J'ai pas compris, mais je te mets une étoile quand même. Allez, quittons. Non, vraiment, qu'on soit d'accord. Avec tous les personnages de Nintendo, il y avait grave à faire des trucs super intéressants, quoi. Voilà, donc j'appose mon flag ici. Et là, ça a l'air intéressant, ça. Ça va être un niveau super compliqué, en plus. Quand il y a écrit Submarine Squadron, c'est que tu te dis, putain, ça va être chaud, quoi. Allez, let's go. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah déjà, si on te donne... si on te donne la fleur de feu... ça risque d'être un peu plus simple. Il a carrément... Ah ouais, il a vraiment créé des sous-marins, le mec. D'accord. Voilà, il y a quoi? Il va y avoir un frère marteau dedans, c'est ça? Non. C'est un pauvre... Je me rappelle. Mais comment ça s'appelle, ces trucs, déjà, là? Les Koopas, c'est les carapaces. Et ça, je connais leur nom, mais je l'ai complètement oublié, quoi. C'est des... Non, j'ai zappé. Vraiment, j'ai complètement zappé. Bah, du coup, qu'est-ce qui est dur dans ce niveau, en fait? Rien. Il y a rien de compliqué, là. D'accord. C'est juste marrant de voir ces petits... ces petites bêtes coincées dans leur sous-marin, là. À part ça... je vais plus vite que le défilement de l'écran, quoi. Et tranquille, hein, c'est pas comme si je me pressais. Et là, je peux rester sur ça et je gagne, quoi. C'est ça? En gros... Hop, merci pour le champignon, j'ai perdu 0 PV, mais... Si tu veux. Si tu veux, si tu veux... Ah, là, là, voilà. Là, il va se passer des trucs. Hop, toi, tu crèves. Voilà. Là, il a créé un méga sous-marin. Et ma foi, ça m'a pas l'air plus compliqué qu'avant, en fait. Hein. On peut tuer les... Non. Bon, moi, j'aurais essayé. Bordel, c'est super easy, quoi. Déjà que ces boulets de canon, ils se déplacent pas vite, mais alors dans l'eau, j'ai l'impression que c'est 3 fois plus lent, quoi. Bon, bah c'est easy money, hein. Et on a réussi, là? C'est quoi, attends? Il a fait une petite encre, on en profite. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Une petite surprise, une petite transfo? Non, c'est une vie. Reviens là! Voilà. Je lui mets même pas d'étoile, à lui, tellement c'était bidon, quoi. C'était vraiment bidon, il s'est... je sais pas. Il a vu... Oh bah tiens, regarde, j'ai fait un petit sous-marin avec des petits trucs coincés dedans. Et après, la difficulté était négative, quoi. D'accord. Voilà, j'ai posé mon flag. TikTok Clock Chop. D'accord. Ah, c'est encore Sporky. C'était le quatrième. Enfin, le premier niveau qu'on a fait aujourd'hui. Allez, on fait son niveau, et après on arrêtera là pour cet épisode de Super Mario Maker. On se retrouvera la semaine prochaine. N'oubliez pas d'envoyer vos niveaux, si vous en avez, évidemment, que vous voulez partager. Alors, bim, toi tu meurs. Il a fait des horloges. Ça, oh, c'est super stylé, ça, par contre. Il a fait des horloges avec des bouts. Ah, le bâtard, merde. Mais ouais, il a sauté super haut, mon personnage. L'homme qui trouve toujours des excuses. Je laisse tomber. Ça a rien de prendre cette plante là. Toi, tu meurs. Ah, ça, hop, il y a des champignons. Oh, viens là, toi. Merci. Voilà. Ok. Toi, tu viens ici. Je shoot dedans. Elle va revenir. Elle revient? Ah non, elle revient pas. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. C'est un monstre qui apparaît, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est juste des effets? On passe par ici. Et voici dans un manoir maintenant. Hop. On passe les squelettons easy money. Pas du tout en fait. Ouais. Attends, on va faire un peu attention là. Oh, j'ai eu peur. D'accord, on en est transformé en quoi? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je sais pas ce que je peux faire du tout, mais attends. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Attends. Normalement, on peut voler avec ce truc, il me semble. Mais... Pourquoi
Déjà, j'ai pas sauté. Je sais pas pourquoi. Parce que j'avais appuyé sur la touche. Attends, on y retourne. Bah, plane ! Attends. Ça doit être comme ça. Putain. Ça se voit que j'ai jamais joué au vieux Mario. Cette transfo, elle est pas dans les nouveaux. Bah non, ça marche pas. Ah, on pouvait passer en dessous. D'accord. Ouais, bah là, du coup, je suis coincé quand même. Ouais. Et si je fais comme ça? Non, même pas. Même pas. Je sais pas me servir de cette transformation, c'est super chiant. Il n'y a pas beaucoup de touches dans un Mario, il y en a deux. Alors ça, ça me sert à rien. Pourquoi des fois ça marche, des fois ça marche pas, je crois pas ça. Attends. Peut-être récupérer, on a peut-être une sorte de... Non. Bon, je comprends pas. J'ai pas du tout compris comment t'es censé servir de ce truc. Du coup, vas-y, pour la belle, on va refaire un autre niveau. J'ai rien compris, là, franchement, je suis perdu. Oh, le mec s'appelle YouTube. Automatique Mario, vas-y, pour finir, on fait un niveau où on joue pas. Il y a beaucoup de niveaux où on joue pas, finalement. Mais bon, ça s'apprête bien à une vidéo, on va dire. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est un gros bordel. Comme d'hab, quoi. La petite vie. Ça fait du bien d'un coup la 3D hein. Quand même, faut avouer hein. Ouais. Et encore Mario fleur. Oui. Très bien. Là, on va rebondir. Ok. Oui. Putain mais... Puis je me dis les heures que ça a dû leur prendre quoi. Il doit vraiment pas avoir beaucoup de jeux parce que c'est pas amusant, c'est vraiment pas amusant de créer un niveau pareil. Et au final le truc il dure moins d'une minute après. Ok. Et là du coup, ah, je pensais à un truc stylé. On allait rebondir sur plein de missiles mais non. Encore un champignon. Hop hop hop. D'accord. Ah, hop, on a un casque. Oh, c'est nouveau ça. Ça a vraiment de la gueule. Ils ont rajouté plein de trucs. Mais il y avait encore tellement mieux à faire quoi. Oui. Et là, bah c'est gagné quoi. Non? Ah c'est interminable. Ah là c'est gagné. D'accord. Bah c'était très sympa. Je pense qu'on aura fini en beauté. Bon du coup j'aurais pas trop touché à la manette. Mais bon, ça valait le coup. Allez, la petite étoile. Bah les amis, on va se laisser là pour cet épisode Super Mario Maker. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur celui-ci. On se retrouvera très rapidement pour des épisodes Fallout et Metal Gear Solid 5. Et je vous rappelle que le week-end c'est live, c'est-à-dire The Witcher 3 et aussi Metal Gear Solid 5. Allez les amis, sur ce, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde. Tchuss. Et à la prochaine.